Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce chat plays sur le Project Ozone de Kappa. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va très rapidement. Alors, j'ai plein de bordel sur moi, j'ai récupéré plein de chance cubes que j'ai foutu au mauvais endroit, bien entendu, sinon c'est pas drôle. J'ai récupéré plein de chance cubes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va automatiser, en tout cas commencer à automatiser. Le système de production de gravier, dust et sand. Donc pour ceci, on va avoir besoin de plusieurs machines. Premièrement, j'ai fait un calcul assez rapide au niveau de nos machines. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un pulvériseur, de deux sagmill, ainsi que d'un automatic hammerer. Pourquoi? Eh bien tout simplement, le pulvériseur, lui, fonctionne à 250 RF par tick. Très bien. Le SAG-1000, lui, fonctionne à 100 RF par tick si on lui met un octadic capacitor. Donc on va en prendre deux, parce que le pulvériseur, on va en vouloir un pour la... comment dire? Pour le gravier. Voilà, puisque lui, quand on le passe dedans, il nous fait du sand, certes, mais il nous fait surtout du gravier. Voilà, il nous fait les deux, du sand et du gravier. On a vu les graviers partir. Lui, il nous fait principalement du sand. Voilà, c'est-à-dire que si on le passe, on va avoir du sand et une petite chance d'avoir du gravier aussi. Et le troisième, ça va nous permettre du coup de faire du sand. Ce sand, on le passe dans un automatic hammerer et on en fera du gravier aussi. Sachant que l'automatic hammerer, si je lui colle 8 speed upgrade dedans, 8 speed upgrade dedans, il passe à 102 RF par tick. Donc ça nous fait 250, 350, 450, plus 102 RF par tick, ça nous fait 550. Mais si on le laisse à 40 RF par tick comme ça, et on s'en fout, hein, on n'est pas obligé d'y aller super vite, ça nous fait 490 RF par tick. Il faut savoir qu'une de ces éoliennes nous produit en général 900. Alors j'ai fait un petit basique capacitor bank. On en rediscutera plus tard, je referai certainement plus tard dans l'émission. J'ai tiré des câbles un peu partout. Ça là-haut, je les ai eu à base de Chains Cube. C'est ni plus ni moins que des panneaux solaires. Hein. Ça génère peu, mais ça génère quand même. Avec tout ceci, plus les panneaux solaires, et même sans les panneaux solaires, j'arrivais à 800, à 750-800 RF par tick. Donc ça nous fait quasiment 200 RF par tick par petit truc. Ça signifie qu'avec 3. Avec 3 moulins à eau comme ça, on va obtenir suffisamment pour process, au moins process au début, nos minerais. On améliorera notre système plus tard, bien entendu, une fois qu'on aura mec par exemple, qu'on aura mec bien installé. Peut-être à la fin de cet épisode, on commencera à travailler sur mec ou l'épisode prochain, sachant que l'épisode prochain ce sera le live. On verra bien ce qu'on en fera. Pour le moment, j'aimerais qu'on installe assez rapidement la SAG-1000. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout installer ici. Pourquoi ici? Parce que j'aimerais bien un 5x5, assez loin de la base, sans m'embêter avec tout ce qui va être gestion et autres. J'ai déplacé aussi, tiens d'ailleurs, j'ai copié-collé avec World Edit, j'ai installé World Edit le temps de copier-coller la base. J'ai déplacé dans un biome plein, parce qu'on était sur du Deep Ocean et des conneries comme ça, et à part des Oslo, il n'y avait rien qui spawnait. Du coup, on se retrouve ici avec des SAG-1000 que l'on va placer. Il va nous falloir donc deux SAG-1000. On va en mettre une ici et une ici. Vous me connaissez, j'aime bien, moi, mettre tout en ligne. Quand je fais mes crafts, j'aime bien avoir tout en ligne, comme ça, ça me permet... Alors après, en ligne verticale ou horizontale, mais ça me permet de bien détailler ce qu'on est en train de faire. On va avoir besoin également d'un générateur de cobble. Donc on va prendre un World Interaction Upgrade. Je ne sais pas si ce sera suffisant, il en faudra peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Sachant que là, on a un World Interaction Upgrade qu'on peut utiliser parce qu'il nous sert à rien pour le moment. Mais j'étais certain d'en avoir un peu plus, des World Interaction Upgrade. Non? Bon. Soit. À la limite, c'est pas grave. Hein. Je pourrais prendre une petite pause pour en crafter. C'est pas non plus le plus grave. On va vouloir aussi deux buckets. Alors, les buckets, ils sont rangés. Ils sont ici. Deux buckets. On va en vouloir un... Clac, non, clac de lave et un, alors de l'eau on en a sur la route, clac, un d'eau, parfait. Pétons ici, les petits systèmes, on va vouloir ici de la lave, ici de l'eau. On va mettre de l'eau, ici on va mettre de la lave, pourquoi est-ce qu'on ne le décalerait pas un peu plus? Ce serait mieux si on le décalait un peu plus.
Voilà, donc ici de l'eau, ici de la lave, parce que la lave sera couverte et sera beaucoup plus simplement gérée. Ah, putain, quel con. Sera beaucoup plus simplement gérée si on ne s'ennuie pas avec tout ceci. On va coller une cobble au milieu, récupérer encore un bucket de lave. Ah, le canari fait nimp. Le canari fait n'importe quoi. Donc, récupérons hop, un bucket de lave que l'on va poser. Voilà, vous connaissez le principe, on l'a déjà fait, ce générateur à cobble. Bucket de lave ici. Ici, un transfert node. Tac, qui va se connecter automatiquement au SAG 1000. World Interaction Upgrade qui va nous générer de la cobble, qu'il va balancer dans le SAG 1000. Et là, maintenant, du coup, ce qu'il va nous falloir, ça va être des transfer node items, enfin des transfer pipe, pardon, pour transférer sur les trois machines que l'on est en train de préparer notre énergie. On va avoir besoin de deux machines, donc comme je vous l'ai dit, et d'un pulvériseur. Le pulvériseur, on va le faire. C'est relativement simple, puisqu'il s'agit simplement d'un machine frame. Pulvériseur, je crois que le craft est sensiblement vanilla. Avec. Ouais. C'est sensiblement vanilla. Je vais faire le craft. Je reviens tout de suite dès que j'ai terminé. À tout de suite. Voilà, le craft est terminé. Un pulvériseur que l'on va poser lui également par ici. Alors, sachant que ça va être bien ça, mais il va falloir qu'on tire des câbles directement jusque là parce que la puissance là, transportée par ce système-là, c'est 256 RF par tick. C'est-à-dire qu'on peut transporter que du 256. Nous, il va nous falloir au moins du 512. Alors, soit on tire un nouveau câble avec du MV, soit on n'en tire pas, mais sachant que ça risque de tirer aussi un petit peu sur la ligne. Soit on utilise nos câbles comme ceci, les énergies conduites, ce qui est très probablement la chose que l'on va faire. Hein. Ne nous excitons pas, ne nous énervons pas. On va certainement faire ceci. J'aimerais, si possible, venir ici récupérer un transfert node. Est-ce qu'on en a normalement dans le coin? Oui. Oui, dans le truc de câble. Ce qui est tout à fait logique. On va avoir besoin d'un transfert node items. Au moins. On va avoir besoin de plus rien d'autre parce qu'on a quasiment tout sur nous. Parfait. Ici, donc, nous allons avoir un pulvériseur qui, lui, va extraire. Alors, on va faire comme ceci. Qui, lui, va extraire ses ressources dans un. Système à part. Lui, par derrière, tu vas recevoir la cobblestone. Toi, tu vas recevoir la cobblestone aussi. Toi, normalement, tu vas pas tarder à en recevoir de la part de notre système. S'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, tu n'es pas sur le côté, enfin, tu es sur le côté. Voilà, celui-ci. Parfait. Tu reçois donc la cobblestone de par ici, toi. Ça ne pose aucun problème, très bien. Et du coup, tu vas nous l'extraire, vu que tu es dans ce sens-là. Tu vas nous l'extraire vers ce côté-là et uniquement le gravier. Pour ce qui est du reste, tu l'extrais par le haut. Et puis c'est tout. Voilà. Ici, on va donc vouloir ici un input sur le côté, un output sur l'autre. Parfait. Toi, on va vouloir. Alors ça, c'est très important. Un input sur ce côté-là. Un output sur ce côté-là. On va vouloir faire sortir automatiquement tout ce qui va être send ici. On va en profiter. Alors j'aurais aimé, à la limite, qu'on change de système de tuyau, ce qui aurait été plus sympa. Qu'on prenne des items conduites. Normalement, on a des pulsating iron qui traînent. Parfait, on a du pulsating iron. Normalement, on a du conduit binder qui traîne. Au pire, on a les items conduits directement qui traînent. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Voilà, très bien. On va pas s'embêter plus longtemps avec ça. On va donc vouloir comme cela, comme cela, comme cela, et comme cela. Ici, on va vouloir notre automatic hammer. Très bien. Ici, on va vouloir trois drawers. Alors, on va les crafter assez rapidement. Normalement, ça devrait se faire assez vite, voire même on en a peut-être déjà dans le stockage. Non, on a des drawers doubles, on n'a pas des drawers simples. Hop, on devrait avoir suffisamment de bois avec ça et suffisamment de ressources pour nous faire nos trois drawers. Je fais extrêmement vite, c'est normal, j'aimerais qu'on entame Pneumatic Craft aussi aujourd'hui. Alors je sais, je suis peut-être un petit peu ambitieux, faire deux systèmes aujourd'hui.
Mais étant donné que vous en avez pas eu, peut-être que je vais faire un épisode double, hein, après tout. Vous en avez pas eu mercredi. Je vais certainement faire un épisode double pour me rattraper. Donc, ici, nous avons de la cobble qui se transformera en gravier et en sand. Donc lui, on va le mettre en une couleur, on va dire le vert. Pourquoi le vert? Bah tout simplement parce que le vert va nous permettre d'extraire le gravier et le sand. On va mettre gravier et sand sur vert. Et le tout sur vert de toute manière. Tout ce qui ira dans les barrels en direct, ça partira sur le vert. On prendra un gravier, un sand, une dust. Donc ça, c'est simplement pour attribuer nos systèmes. Alors pour attribuer nos systèmes, on va aussi avoir une autre façon assez simple, voire même beaucoup plus simple. Ça va être de prendre un upgrade template, de prendre un peu de gold nuggets, de prendre un gold ou deux, si on n'en a pas qui traîne déjà d'ailleurs. Gold. Est-ce qu'on en a pas qui traîne dans le coin? Si, on en a qui traîne là-dedans du gold. Bon, un, c'est peut-être suffisant. Et on va faire un drawer key. Voilà, une drawer key. Ah merde, il nous en faut deux. Est-ce qu'on n'a pas des gold nuggets qui traînent dans le coin? Si. Est-ce qu'on en aurait suffisamment pour en faire plein? Ah, parfait, regardez, on a suffisamment même pour se faire deux lingots. Parfait, drawer key donc. Non, je n'en veux pas 64, je veux juste le craft. Merci. Drawer key. Cette drawer key va être très intéressante. En faisant un clic droit sur les drawers, on va avoir une petite serrure qui va se mettre en place. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que maintenant, toute valeur à l'intérieur est enregistrée par défaut. Par exemple, prenons le cas du living wood. On en a 19 à l'intérieur. Normalement, sans drawer key, je tire ma living wood et il n'y en a plus à l'intérieur et ça le vide complètement. Je mets ma drawer key et je tire le living wood. Et là maintenant, il reste, même si on a zéro dedans, il reste à l'intérieur, il reste affiché. Ce qui signifie qu'on va attribuer automatiquement ou presque une couleur pour chaque chose, enfin un objet à chaque drawer. Ce qui est cool parce que ça veut dire que si jamais on tombe à zéro, on n'aura pas de problème. Ce send sera toujours du, enfin ce send sera toujours du send, oui. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Ici, je devrais plutôt mettre le gravier, le send et derrière la dust. Voilà. Comme ça, au moins, on a un équilibrage de gauche à droite assez simplifié. Donc, le vert sera extrait vers ici. Donc ici, ce sera une insertion. Ici, on va insérer aussi. Et ici, on va insérer aussi. Parfait. Pour ce qui est de l'extraction, ici, on va extraire. Alors pour lui, on va extraire le gravier et le sand que l'on va coller sur une fréquence. Non, parce que ça va être un problème. Bon, déjà, lui, il extrait en vert, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en toujours actif aussi, s'il te plaît. Respectons-nous. Voilà. Toujours actif, toujours actif, toujours actif. Le problème qu'on va avoir avec celui-ci, c'est qu'on va vouloir extraire dans un port. Alors après, c'est un problème, mais bon, pas tant que ça. On va vouloir extraire. De ça, on va le virer parce qu'on n'en a pas besoin au final. On va vouloir extraire deux choses. D'un côté, on va vouloir extraire vers le vert tout ce qui va être gravier. Le gravier, on va s'en foutre, on va pouvoir l'extraire ici. Tout ce qui va être sand, on va vouloir l'extraire, mais ce coup-ci, pas sur le vert. Pourquoi? Ben, on va vouloir l'extraire sur le brun, parce qu'on ne veut pas que le sand aille dans le barrel de sand. Ah oui, c'est pas le but. Le but, ça va être de récupérer le sand, de le passer au hammer et d'en faire de la dust. Du coup, toi, tu vas être en insertion-extraction. En insertion, tu vas être sur le channel brun, c'est-à-dire qu'il n'y aura que le channel brun qui fonctionnera. Ton conduit, voilà l'item conduite, va importer sur le channel brun. Donc on va partir, on va extraire le channel brun, on va extraire en brun, on va importer, on va mettre dans brun et on va extraire en vert du automatic hammerer. Donc on va extraire la dust qui viendra du sand qu'on a mis à l'intérieur et on le mettra à l'intérieur du hog drawer de dust. Normalement, tout est censé être relativement setup, relativement. Il ne manque plus que l'énergie, normalement. Donc l'énergie, on avait dit, ça c'est pas suffisant, et j'ai pas envie de passer sur du 512 parce que le logistics pipes risque de nous faire chier à la longue à tirer beaucoup trop sur le câble.
Du coup, conductive iron, du coup, conduit binder, est-ce qu'on en a encore? Probablement oui. Ou on en a plus. Binder, attendez. Hop, tac, ça, non, pas celui-là, celui-là, recipe, conduit binder, tu m'en trouves. Il est là-dedans. Très bien, on en a 6. Bon, on va pas aller loin avec ça. On se retrouve dès que j'ai fait un peu plus de conduit que ceci. A tout de suite. Voilà, donc j'ai relié nos machines. On va lui coller un octadic sur la gueule. À elle aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et à lui, il devrait avoir aucun souci. Donc tout se pulvérise, tout se passe bien. Ici, on va avoir de la dust qui pour le moment n'est pas retirée. Pourquoi? Eh bien ici, c'est parce que là, on a mis... on a mis quoi? Ici, on a mis l'extract en... oui, alors qu'en toujours actif, ça devrait fonctionner. Maintenant, on extrait la dust, il n'y a aucun problème dessus. On extrait le sand qui va se placer pour le moment dans le hammerer. Ainsi que ici pour la partie quand ici ça sera trop plein. On arrive donc à un système de génération plutôt sympa puisque là on arrive assez facilement à tout ce qu'il nous faut. L'énergie m'a l'air d'être plutôt stable en termes de ratio d'utilisation. Là l'énergie est plutôt stable. Là aussi. Là ça continue à monter parce que fatalement les 500 000 RF il faut les remplir. On devrait être plutôt bon là pour ce qui est de la génération de sand, gravel et dust. On automatisera ça plus tard avec les powered sieve, etc. Comme ça, les trucs comme ça, on les automatisera plus tard. On fera une autre ligne quand on aura plus d'énergie. Pour avoir plus d'énergie, j'aimerais que l'on fasse un petit système de ferme. Un petit système de ferme, oui, mais un petit système de ferme de quoi ? Eh bien, un petit système de ferme de Ender IO. De mécanisme, pardon. Une ferme de mécanisme, ça consiste à quoi? Eh bien, tout simplement, il va nous falloir plusieurs choses. Premièrement, il va nous falloir plusieurs machines, dont un crusher, dont d'autres choses. Et si on regarde le crusher, comment c'est qu'il se fait? Il se fait avec des Energy Tablets, qui nous demandent des Enriched Alloy et des Great Flux Battery, qui nous demandent de la Glowstonic Steel, qui est tout simplement de la Glowstone et de l'Electrical Steel, donc ça, ça va encore. Pour le tier 2, c'est de l'Energetic Alloy, pour le tier 1, c'est de l'Invar, ou de l'Electrical Steel avec un Basic Capacitor, mais on fera la version Invar, ça coûte moins cher. Compressed Iron Gear, Decompressed Iron Gear, donc c'est du Compressed Iron autour d'un Iron Ingot. Très bien, un steel casing qui est tout simplement dans une pressure chamber, une machine frame reinforced avec du black plastic et du steel ingot. Black plastic que l'on obtient dans un plastic mixer avec du red, du cactus, du lapis et du liquid plastic. Liquid plastic que l'on obtient dans un thermopneumatic processing plant qui nous demande une énergie entre 0 et 5, je crois entre 0 et 5 ou alors entre 0 et moins 1, ce qui est fort probable aussi. Pour transformer le LPG en liquide plastique, LPG que l'on obtient à base d'un thermoprocessing plant depuis la galose isoline, ou bien on peut obtenir le LPG, ainsi que du diesel, de kérosène et du gasoline. Le LPG, on peut l'obtenir à un ratio de 2 sur 10, 2 sur 10, 3, 2 sur 10, c'est que du 2 sur 10 et 4 sur 10 en diesel, à base d'huile, huile qu'on obtiendra dans les rébus. Dans le Mining World, cette huile, avec une température de 100 degrés. Donc pour le moment, on va continuer les quêtes, faire du pneumatic craft, et surtout faire notre petite chambre là, vider notre inventaire assez rapidement, je rangerai plus tard quand j'aurai le temps. Pour le moment, c'est pas vraiment le souci principal. Le souci principal va être lequel ? Le souci principal, tiens, là il y a plein de place. Le souci principal va être celui de gérer Pneumaticraft. Alors, Pneumaticraft est un mode qu'on a utilisé il y a très très longtemps. Souvenez-vous, c'était à l'époque du chatpack en, sur Forgecraft en 1.7, les tout premiers chatpacks. On avait fait du Pneumaticraft. C'était vraiment il y a longtemps. Hein.
Pneumatic Craft se fait comment? Et bien tout simplement, pour le Pneumatic Craft, pour obtenir du compressed iron ingot, on prend de l'iron et on le colle à l'intérieur d'une pressure chamber. Mais la pressure chamber, on la construit à base de compressed iron. Comment faire à ce moment-là? Et bien tout simplement, en faisant exploser de l'iron par un creeper, on obtient du compressed iron, parce qu'il nous faut une explosion. Voilà, l'explosion va nous faire du compressed iron. Ici, on va construire une structure en 3x3, avec de préférence un mur ainsi que deux pressure chambers que l'on va placer comme ceci. Enfin, un mur, hein, une glace et deux pressure chambers que l'on va placer comme ceci. Au-dessus, on continue le mur entièrement. On fait le plafond. Parfait. Voilà. Une fois que tout ceci se sera formé, il va nous manquer une pressure chamber valve que l'on va coller là. Rends-moi ça, toi. Il va nous falloir ça. Ça va être obligatoire pour mettre à l'intérieur des petits systèmes. On va terminer ici avec nos deux pressure chambers. Et là, on obtient un multibloc. On voit que le multibloc s'est formé parce que au niveau de la... Comment dire? De l'apparence, ça a changé. Et puis si je fais un clic droit dessus, on voit tout de suite qu'on a un GUI, chose qu'on n'avait pas avant. On va avoir besoin d'un air compresseur aussi. Alors cet air compresseur va être très intéressant. Cet air compresseur, on va devoir le lier avec des pressure tubes sur notre salle de pression. Le compresseur va tout simplement compresser de l'air. Alors vous allez me dire, mais Chad, mais c'est complètement con. Bien sûr que le compresseur va compresser de l'air. Après tout, c'est un compresseur. Mais il pourrait compresser les lingots si ça nous ferait de l'iron compressé directement. Non. Parce que lui, il compresse uniquement l'air. Et imaginez tout simplement qu'il s'agit juste d'un petit moteur. Comment on dit bien? Est-ce que vous voyez vos poumons? Parlons de vos poumons. Vous voyez vos poumons. En général, quand vous utilisez vos poumons, c'est pour respirer. Plus vous respirez, plus vous avez l'air dans vos poumons, plus vous arrivez à un point où c'est plus difficile de respirer. Essayez de respirer jusqu'au bout. Au bout d'un moment, vous allez respirer très vite et puis ça va ralentir et puis ça va être dur de respirer beaucoup plus parce que vous arrivez à un point de pression à l'intérieur de votre air, de vos poumons qui va faire que la différence est beaucoup plus difficile, même en y mettant toute la force du monde. Ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir... On va prendre du... Voilà, on va prendre 20 cols ici. Ça va être beaucoup plus difficile de récupérer de l'air. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans vos poumons, la pression va se former. Premièrement, vous n'allez pas avoir suffisamment de place pour le faire. Et vous pourriez avoir suffisamment de place en compressant l'air, c'est-à-dire en mettant plus d'air dans le même espace, puisque l'air, c'est pas... L'air de base, il est à une barre, disons. Et plus vous allez mettre d'air dans cet espace, donc plus il va y avoir de molécules d'air dans cet espace, O2, etc., et tout ce qui contient l'air, et ben plus la pression va être forte et plus l'appui va être fort. Donc ça, c'est le principe de la pression. Et ben, tout simplement, l'air compresseur, lui, il va aspirer de l'air avec un petit moteur, disons, normalement, c'est censé être un petit moteur, aspirer de l'air, le foutre en pression, petit à petit, comme vous, quand vous respirez, voilà, que vous arrivez à un point où il y a trop de pression, que vous êtes obligé de relâcher quelque chose, le comprimer, et en créer ici de la pression. Alors là, pour le moment, on a 0,6 bar niveau pression. La pression, il va falloir qu'on la monte au moins hein, 2 ou 3 bars. Parce que ici, si on veut faire par exemple du compressed iron, prenons de l'iron basique, hein, sans option. On va prendre de l'iron, on va le mettre ici, et ce qui va se passer, c'est que notre petite pressure chamber avec un omnidirectional hopper, donc ça, c'est le petit truc supplémentaire, va le placer à l'intérieur, on va voir l'iron atterrir ici. Bim. On a vu l'iron atterrir ici, et il va ressortir par là, en tant qu'iron. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de le filtrer, parce que je suis bête. Récupérons l'omnidirectional hopper. Parce que là, du coup, on va en avoir besoin. On n'a pas un bloc qui traînerait. On va prendre celui-là. Voilà, hop, tac. Visons vers le bas, ce hopper, normalement il va extraire à l'intérieur, parfait. Du coup on a récupéré ça. Ici on va lui mettre un filtre. Un filtre contenant compressed. Donc on va lui dire, on veut uniquement récupérer les items dont il y a compressed à l'intérieur. On va placer notre iron ingot dedans. Avec notre omnidirectional hopper, bien entendu. Tac. La porte se ferme. L'iron tombe à l'intérieur, et tant qu'il n'est pas transformé en compressed iron, ça ne bougera pas. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il nous faut deux barres de pression, on voit la limite jaune,
il nous faut 2 barres de pression pour arriver à du compressed iron. Donc il va falloir monter la pression en faisant cramer du coal jusqu'à 2 barres. Sachez cependant que la pression monte et descend. Si vous cassez un tuyau, par exemple, la pression va chuter brutalement parce que vous aurez cassé votre tuyau. Et du coup, bah, il va falloir refaire monter la pression parce que la pression sera dissipée dans l'air et elle partira, il n'y aura plus aucun problème de pression. Sachez cependant donc du coup que notre pression, quand elle est en vase clos, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fuite dans notre tube, dans nos systèmes de tubes, que ce soit une fuite parce qu'il y a un truc qui a explosé ou un tuyau qui ne tient pas ou machin, ou même simplement ouvrir la porte, va avoir, avec ce sas, va avoir une différence de pression. Parce que la pression, quand on va ouvrir une porte, par exemple, quand cette porte est fermée, la pression à l'intérieur, dans l'espace du bloc, va être de la pression, c'est-à-dire là actuellement de 1 bar. Mais quand on va ouvrir la porte, la pression qui est à l'intérieur, elle va s'évaporer, elle va s'en aller. Du coup, la pression là va descendre. Quand on va refermer, qu'on va remélanger l'air, rouvrir cette porte-là à l'intérieur, et bien tout simplement, la pression va se répandre et va baisser, parce qu'il y aura plus de place, il y aura moins d'oxygène, enfin d'air contenu dans un bloc, du coup la pression va descendre. Et donc en utilisant ces portes, logiquement, de façon logique, mathématique et scientifique, la pression descendra. Donc plus on utilisera ces portes, plus la pression descendra. Du coup, ça va être intéressant de jauger à peu près la pression nécessaire. C'est entre 2,5 et 3 bars, hein. La pression nécessaire pour choisir, eh bien, en dessous de 3 bars, disons, on va le faire descendre, et en dessous de 2,5 bars, il faut réafficher la machine. Ça, on le verra certainement demain vendredi, dans le live, parce que demain samedi, pardon, dans le live, parce que, eh bien, il va nous falloir un peu plus de matériel que ça. Mais surtout, le truc important, c'est que grâce à ça, cette petite chambre de pression et ce petit compresseur, moi, je vais en profiter pour récupérer un peu tout. Je vais en profiter pour récupérer un peu tout, remonter la pression, refaire des compressed iron, me préparer simplement, disons, à faire un peu tout ce qui peut se faire dans la pneumatic chamber. Essayer de récupérer, voilà, par exemple, pour le steel casing, faire une machine frame reinforced, qui nous demande une hardened, qui nous demande une basique, qui nous demande une machine châssis, qui nous demande tout ça. Donc faire des machines frame reinforced, sachant qu'il va nous falloir des steel casing, il va nous en falloir pas mal. Parce que pour notre système, il va nous falloir un crusher, il va nous falloir un ionic separator, électrolytique separator qui se craft juste avec un électrolytique core, donc ça va. Mais il va nous falloir un enriched alloy qui va nous demander un capacitor. Bon, ça encore des octadiques, machin, chin. Donc déjà, il va nous falloir du plastique pour faire ça, pour faire beaucoup plus d'énergie. Plastique, comme je vous l'ai dit, il va falloir aller dans le mining world pour aller le pomper, pour pomper l'huile. L'huile qui spawn uniquement dans le mining world, parce qu'il n'y a strictement aucun moyen de la crafter. Alors après, on pourrait partir sur la gasoline, sachant que l'éthanol et la gasoline, je crois qu'on peut. Déjà, je crois qu'on n'a pas d'éthanol. Ça va plus vite. Bucket d'éthanol. Si on regarde éthanol, dans la raffinerie, plant oil plus éthanol égale biodiesel. Et le biodiesel, tectonique pétroleum. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir de la gasoline ou quoi que ce soit. La gasoline, si mes souvenirs sont bons, le gasoline de Pneumatic Craft, qui est aussi le gasoline là, le gasoline peut être utilisé pour faire du LPG. Sachant que le gasoline, on peut le crafter uniquement à partir de oil. Ou Nutrien Distillation plus oil. Voilà, donc là on obtient 50 de gasoline. Donc on double le gasoline, mais il nous faut de l'huile quand même. Gasoline à base de kérosène. Très bien, à 2 barres de pression. Kérosène qu'on obtient à base de diesel. Diesel qu'on obtient à base d'huile. Ou à base d'huile ou à base d'huile. Ou qu'on obtient à base d'huile. Donc il va nous falloir quand même du pétrole. Enfin, oil, je dis oil parce que c'est oil, mais ça veut dire pétrole. Il va nous falloir de l'huile. Pour ceci, il va nous falloir aller dans le monde magique
Du questbook qu'il faut que je retrouve déjà, ça commencerait bien. Le monde magique. Il est où ce putain de questbook? Il est pas là? Non, il est pas là? Oui. Le monde magique de. Dans Zeta. Non, c'est dans Theta. Le monde magique de Aether. Dans l'Aether, il va falloir y aller. Donc avec de la glowstone, un bucket de water. Ça, c'est pas trop difficile. On ira dedans. Après, il va falloir aller dans la Buggy Mansion. Donc ça, c'est l'Erebus. Donc il va nous falloir de quoi faire le Staff of Gaia, la Gaian Keystone, Stone Brick, etc. Mais à première vue, vu qu'on a besoin d'abord passer dans les heures, à mon avis, il va falloir choper 3 ou 4 conneries dans les heures pour aller là-dedans. Hein. Voire même choper 3 ou 4 conneries, puis se faire un labyrinthe, puis faire une crush room, puis se faire machin, pour ensuite avoir l'Antlion Overlord qui nous file le Mining Multitoon qui nous permet de faire le portail vers le Mining World qui nous permettra d'avoir de l'huile et continuer Pneumaticraft pour nous faire mécanisme, pour avoir une ferme à patates comme on l'avait fait dans le chat pack Reloaded pour ceux qui ont regardé l'épisode. L'épisode que je ne manquerai pas de vous rappeler de regarder, parce que c'est très important et c'est très intéressant, pour faire une ferme à patates mécanisme qui, du coup, nous consommera que de l'eau, des patates, et qui nous générera énormément d'énergie, qui sera vraiment, vraiment très, très autosuffisante et qu'on pourra utiliser plusieurs fois. Donc c'était Shad, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, moi, je vais torcher un petit peu, préparer tout ce que je vous ai dit. Demain, la suite, 18h, le Shad Plays 1.10. Demain, 20h, le live où on ira donc du coup faire laser et peut-être les rébus, qui sait, on ne sait jamais, ça peut toujours faire du bien. Je vais juste en profiter, moi là, pour voilà, valider les quêtes avec vous, parce qu'on a quand même 10 quêtes qui sont prêtes, hein. 10 quêtes, sachant que c'est principalement, voilà, les capacitors, les octadiques, une flux bank, bon ça on verra ça plus tard. Une flux bank tier 2, j'en ai une normalement. Elle est là, ma capacitor bank. C'est pas une basique, c'est une capacitor. Parfait. Maintenant c'est bon, tu l'as ou pas? Parfait. Ça nous fait 11. Hop. On fera certainement aussi une capacitor bank là-haut pour gérer. Pour gérer le surplus et si jamais on a un problème ou quoi que ce soit, que ça puisse continuer à fonctionner assez simplement. Fluxbank tier 2, on claim. Je sais pas si on fera la tier 3. Slice and Splice avec une tête, on va prendre les têtes d'Enderman parce que les autres on les a déjà. Vibrant Alloy, on va prendre celle-ci comme reward. Celle-ci comme reward. Celle-ci comme reward. Et celle-ci comme reward. Parfait. Derrière, il nous restera la Glowstonic qu'on va être obligé de crafter, la Soul Infused Alloy, je ne sais pas si on va être obligé de la crafter, la Vibrantium, l'Experience Obélisque, pourquoi pas. Peut-être qu'on commencera aussi à travailler un petit peu sur les jetplates, ça pourrait être sympa. Les jetplates, sachant que pour le Conductive Iron Jetpack, il nous faut... Conductive Iron Jetpack, il nous faut Conductive Iron, plus Leather Strap, plus Basic Capacitor, plus Conductive Iron, qui est Disinvited. Du conductif, du basique gear et... Ah, mais c'est tout con, en fait. Après, c'est deuxième tier en Electrical Steel, avec du Machine Chassis. Tier 3, c'est avec de l'Energetic Alloy, Pulsating Crystal, donc ça, c'est assez simple. Tier 3, donc c'est l'Energetic Thruster, comme on l'a vu. Ensuite, le tier 4, ça doit être du Vibrant. Parfait. Vibrant, qui doit pas être trop trop difficile à faire non plus, c'est du Vibrant de l'Ender Conduit de l'Octadic. Du Vibrant Crystal qui est un player core avec de l'émeraude, etc. Je pense que pendant le live, histoire de bien se préparer, on fera le Vibrant Jetpack, peut-être avec une Dark Steel Armor Plating, qui sait. Ça nous permet d'avoir de l'armure et de pouvoir voler. Ce sera peut-être déjà un peu mieux que de simplement sneaker dans l'air et juste d'avoir un Earth Boost de 2,5. Surtout que c'est de l'armure en iron alors qu'on aura beaucoup plus fort avec notre Steel Plate. Donc c'était Shad! Des bisous, à très très bientôt. Ah non, juste attendez avant. On ouvre les reward bags assez rapidement. Vous faites pause si vous voulez voir ce qu'il y a dedans. On a eu du savon.
On a une Diamond Apple. Et c'est tout, je crois, qu'on a niveau reward bag. Hein. Ah, on a des Zivicio Leggings. Très bien. Et ben on progresse parce que les Zivicio, je crois que c'est l'un des derniers rank récipients des Zivicio. Zivicio. Si on regarde l'armure en Zivicio, elle est nécessaire pour faire la Dark Leggings, qui est nécessaire pour faire la Battle Suite, où on peut passer de la Zivicio vers le Flux Infused Leggings, pour passer vers la Battle Suite, puis celle-ci, puis la Wyvern, et enfin la Draconic. C'est cool, la Zivicio, elle commence un petit peu bien à se profiler, il ne manque plus que la tête et le chestplate, et on devrait être bon, ma foi. Donc c'était Shad, je vous fais des gros bisous, à très très bientôt.